Elle est unique, cette lumière. Elle est unique. Si on veut méditer sur ce qu'est le temps, il faut venir là. En face de nous, c'est l'emblème de la ville, qui en effet veille un peu comme un phare sur la cité depuis des millénaires. Exactement, tu dis bien ça, parce que de tous les endroits de la cité, on voit l'acropole, chaque angle est magnifique. C'est un musée à ciel ouvert, mais pas seulement. Il y a plein de quartiers très différents. Alors justement, ton quartier préféré, toi ? Mon quartier préféré, c'est le quartier des gens qui sont venus après la guerre d'indépendance pour construire cette ville. Ils se sont installés au pied de l'acropole, dans un quartier qu'ils ont reconstruit à l'identique de leur habitat naturel, qui était l'île d'Anafi. Le quartier s'appelle Anafiotika. Et c'est complètement des paysans, parce qu'on est en plein cœur d'une ville gigantesque. Et on se croit être dans une petite île grecque. Bon, allez, on le dit. Allez, à toi l'honneur. Non, vas-y, c'est ta ville. Nous sommes à Athènes, à Athènes. Est-ce qu'il fait bon vivre ici après ces années de crise ? Il fait toujours bon vivre ici. C'est sans doute cette lumière dont tu parles qui est le meilleur antidépresseur possible. C'est la proximité de la mer, c'est la température. Et justement, la crise à raviver la créativité de tout le monde. Bonjour Georges Corafas. Bonjour Valérie Fayolle. Merci de nous accueillir à Athènes. Mais c'est un bonheur. Vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène d'origine grecque, bien sûr. Vous menez une carrière tambour battant à l'international parce que vous avez cette chance d'être polyglotte. On va évidemment revenir dans cette émission sur votre parcours. Mais avant, j'ai très envie de découvrir un peu la ville avec vous. C'est l'occasion rêvée. Allons-y. Ouais. Athènes offre mille raisons d'être émerveillée. Ses sites antiques, ses bâtiments classiques, ses splendeurs architecturales, bien sûr, mais aussi des ruelles en pleine effervescence, des expositions, des concerts. Bref, une vie bouillonnante qui inspire les artistes. Pour bien s'en rendre compte, il suffit de se balader dans les quartiers de Monastiraki et Psyrie, à l'atmosphère cosmopolite. Bonjour Mathia. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Enchanté. Bonjour Georges. Calimera. Bienvenue. Calimera. Vassia, on se retrouve sur cette place parce que d'ici, on a un point de vue intéressant. D'un seul coup d'œil, on embrasse les grandes époques traversées par la Grèce. On commence par la grande antiquité représentée par le rocher de l'Acropole. Mm-hmm. Puis on passe à la conquête romaine et la bibliothèque d'Adrien, construite au 2e siècle avant Jésus-Christ. Puis on passe à l'Empire byzantin, c'est l'église. Puis on passe à la conquête ottomane. Avec cette mosquée. Exactement, une des deux mosquées qui survivent toujours dans la ville d'Athènes. Pour passer à la fin, au 19e siècle, quand Athènes devient la capitale du nouvel État grec. Et on a cette gare de train construite une année avant les Jeux olympiques de 1896. Ah. Pour que les visiteurs européens soient bien accueillis. Et ça va direct au bateau du Pirée. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant ? On poursuit par un café qui lie le passé et le présent d'une manière très spéciale. Alors on vous suit. Hop, venez. Pour ne pas glisser. Ah oui. C'est drôle, c'est étonnant cet endroit. C'est TAF, The Art Foundation, la fondation d'art. D'accord. Une fondation qui loue ce vieux bâtiment qui date de la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Aujourd'hui, après des décennies d'abandon total,
on a un très bel endroit pour boire un café, un cocktail et bien sûr admirer les expositions. Alors en ce moment, je crois qu'il y a une exposition franco-grecque. Est-ce qu'il y a une vraie tradition de l'échange entre la France et la Grèce ? Au niveau culturel, les Grecs s'identifient beaucoup plus aux Français et les Français ont une tendresse particulière pour la Grèce. On est dans le quartier de Psyrie, qui est un temple du street art. Le New York Times, d'ailleurs, a surnommé Athènes la Mecque contemporaine du street art en Europe. Comment est-ce que vous expliquez cet essor ? Ces dernières années de la crise, il y a une explosion du street art partout. Je crois qu'il y a la contestation. Il y a des slogans, par exemple. Oui, politiques, sociaux. Et puis, du street art pur. Ce chien-ci, c'est tout un symbole, non ? C'est le chien emblématique de la crise... qui est devenu un symbole des luttes sociales, des manifestations contre l'austérité. Quand les manifestants protestaient devant la place du Parlement, ces chiens errants étaient toujours là à aboyer contre la police anti-émeute. Et il en a pris des gaz lacrymogènes, mais vraiment c'était un mutant. Lui. Georges, vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Paris, mais vous êtes issu d'une famille grecque avec un papa qui était notamment un grand chef d'orchestre, Dimitri Korafas. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette double culture ? Oh. Bah, plein de voyages, déjà. Le bonheur de partir d'un pays en voiture et de traverser toute l'Europe en changeant les itinéraires à chaque fois pendant les vacances d'été. Et puis aussi d'avoir simplement une double culture, c'est-à-dire de me sentir complètement français, mais pas complètement. Complètement grec, mais pas complètement. Votre carrière, elle a débuté de manière concomitante en France et en Grèce, au théâtre. Vous avez enchaîné les premiers rôles et puis vous avez rencontré Peter Brook qui vous a proposé d'intégrer sa compagnie. Quels sont les grands moments de cette période-là ? Les grands moments, alors là, tac. Là, il y a... Ah, mais chaque jour était un grand moment. Et évidemment, le travail sur le Mahabharata, quand on a commencé à faire des impros, à n'en plus finir, à rencontrer des musiciens, des gens qui font des arts martiaux, on a essayé des tas de choses que j'avais jamais faites avant. Et boum, un jour, Peter nous embarque tous pour aller en Inde. Et on a été bombardés d'impressions pendant 15 jours. À partir de quel moment le cinéma vous fait les yeux doux ? Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre, un projet peut-être déterminant ? Je me suis effectivement trouvé dans ce fameux Mahabharata qui a fait énormément parler de lui. Et il y avait beaucoup de casting directeurs qui venaient du monde entier pour voir le spectacle. Et David Lean cherchait son rôle principal pour le film qu'il allait tirer du roman de Conrad Nostromo. On s'est rencontrés, il a décidé de me faire passer des essais et il a envoyé donc les essais à Spielberg qui était le producteur. Spielberg a donné son avaloir et c'était parti pour 4 ans d'attente parce que le film ne s'est finalement jamais fait. Mais entre-temps, les gens avaient entendu parler de quelqu'un que David Lean avait repéré. Quand Timothy Dalton a quitté la caravelle de Christophe Colomb, les producteurs m'ont appelé et ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça vous dirait d'être notre Christophe Colomb ? Et pour bien présenter la chose, ils m'ont dit, il y aura Marlon Brando dans le film. That is not true. Well, to be a true believer and unjustly condemned to death, that is the way to glory. Alors en Grèce, vous avez beaucoup joué. Quel est le personnage qui vous a le plus habité ? J'ai commencé à faire du cinéma en Grèce parce qu'on me proposait des très très beaux rôles. Et donc du coup, j'ai eu deux fois le prix du meilleur acteur, l'équivalent du César en France. Et aussi, j'ai fait un film qui a quelque part marqué le grand retour du public grec vers le cinéma grec.
qui était un film qui s'appelait Politique et cousine, qui parlait avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de tendresse de, bah, des Grecs qui ont été chassés d'Istanbul dans les années 60 et qui ont été donc reçus. Ils ont été chassés en tant que Grecs par les Turcs et reçus en tant que Turcs par les Grecs. Et ça a touché énormément les Grecs. Et on m'en parle sans arrêt de ce film. I decided to be a tourist for a while. What's the charge for a personal tour? I will not charge you, but what will you do for me? Dance for you? En France, vous avez également joué dans quelques beaux films d'auteur, mais c'est surtout la télévision qui vous a rendu populaire. On vous a vu dans des séries comme Le Château des Oliviers, La Bicyclette Bleue, bien sûr, L'été rouge, plus récemment Clem. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la série? Qu'est-ce que vous aimez dans la série? Alors, moi, ce que j'aimais dans les grandes séries populaires de l'été, les grands feuilletons de l'été qui passaient en 5, 6 ou 7 ou 8 épisodes, c'était que c'était un rendez-vous pour les gens qui étaient un petit peu privés de... Ils n'avaient pas de cinéma tout près de chez eux. Ils n'avaient pas les moyens de se projeter dans une histoire, de se projeter dans des personnages. Je trouve que c'était une belle mission. J'étais très fier de faire ça. Depuis la crise financière, étonnamment, les films grecs cartonnent dans les festivals internationaux. Comment est-ce que vous expliquez que la crise ait eu un effet créatif et dopé le 7e art? Le fait de se retrouver dans un pays en crise, ça décuple les énergies créatives. Parce qu'on a envie, de dire qu'on existe, quel que soit ce qu'on fait. On fait avec ce qu'on a. On doit trouver des solutions. Et en général, ces solutions-là sont toujours beaucoup plus jouissives. La crise grecque, c'est ce dont il est question dans le dernier film de Costa Gavras, auquel vous avez participé. Parlez-nous un petit peu de ce film. C'est un film qui parle de l'intérieur de l'équipe, et en particulier du ministre de l'économie de l'époque, de Varoufakis, qui parle de sa tentative de négocier avec la doxa européenne. C'est un peu un film de lanceur d'alerte, parce que Varoufakis, pour pouvoir rendre compte à son Parlement, quand il revenait à Athènes, on lui disait, bon alors, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Pendant des séances qui pouvaient durer 8 heures. Et je l'ai rencontré, il m'a expliqué que sa femme, le soir, très souvent, quand il rentrait crevé, elle avait une caméra vidéo sur un pied comme ça. Elle disait, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ils ont tout enregistré pour arriver à se souvenir de ce qui s'est passé. Il a tous les mails, tous les SMS. Donc c'est une espèce de plongée à l'intérieur de la politique. Et c'est la politique de l'Europe. Dans son Paris des Arts, Georges nous présente l'un des plus célèbres rockeurs grecs, Philippos Pliatsikas, le fondateur et l'âme du groupe Pixlax. En 2004, sa formation est dissoute et Philippos poursuit une carrière solo. Virage réussi, avec 9 disques d'or, 17 de platine. Il faut dire que toute sa carrière, il n'a cessé de se renouveler et de nous emmener là où on ne l'attendait pas. Quand je me suis penchée sur votre parcours, je me suis rendu compte que vous aviez expérimenté plein de sons, plein d'univers. Est-ce que vous aimez brouiller les pistes? Mélos d'un συγκροτήματος και στην προσωπική μου πορεία, μ' άρεσε να μπλέκω διάφορα είδη μουσικής, όπως είναι η folk, η παραδοσιακή μουσική, η rock, τα blues και η punk μερικές φορές και να κάνω ακριβώς αυτό που λέει η ψυχή μου και το κεφάλι μου. Depuis, vous avez travaillé tous les deux, notamment lorsqu'il a mis en place ce projet inédit qui s'intitule The Other Side of Greece, l'autre visage de la Grèce, c'est un mélange de chant, de théâtre, de poésie. Quelle est l'âme de ce projet? Ήθελα να μαζευτούμε με πολύ καλούς φίλους που θαυμάζω, όπως είναι ο Γιώργος, και να δείξουμε, να προτείνουμε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο της Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια έχει μείνει λίγο πίσω. C'était important pour vous, Georges, de participer à ce projet? Oui, oui, vraiment. En tant que grec français, j'étais très, très humilié, très, très blessé par ce qui arrivait aux Grecs et par la manière dont nous étions représentés par les grands médias. Et donc, j'ai fait un certain nombre de choses à cette époque-là pour montrer un autre visage, moi, de mon côté, et on s'est rencontrés sur ce terrain.
Le groupe Pixlax s'est reformé un temps, je crois que c'était en 2011, pour une série de concerts et vous avez rempli notamment le stade olympique d'Athènes, 80 000 personnes. C'était impressionnant, c'était de belles retrouvailles. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες μας στιγμές. Το συγκρότημα ακόμα είναι ενεργό πια, μετά από εκείνη την επανένωση. Αισθανόμαστε με έναν τρόπο ότι έχουμε μπει σχεδόν σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρα. 80 000 personnes, c'est quand même incroyable. Est-ce que Filippo, c'est une bête de scène? Il est extrêmement cool sur scène. Ouais. Avec sa guitare, sa manière de chanter. Et il a beaucoup, beaucoup de charme. En ce moment, la cause que vous avez envie de défendre, c'est celle de l'environnement. Je crois même que c'est un thème qui vous a inspiré une chanson. Ce n'est pas la crise que peut avoir l'Ελλάδα ou quelque autre χώρα. Je pense que le grand problème aujourd'hui est exactement ce qui se passe sur le planète. Αυτούς που δεν γεννήθηκαν ακόμη στην κόρη μου χρωστάω μια συγγνώμη. Et c'est déjà l'heure de nous quitter devant le centre culturel Niarchos et son tout nouvel opéra, un endroit où les Grecs adorent venir se promener. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur France 24. Et n'oubliez pas, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux.